Salut à tous, c'est Facocher, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur GTA V en mode BMX avec Franklin. Donc là, comme on se rend compte, je viens de retrouver un BMX dans le centre-ville. Et tout simplement, quand j'arrive, je me demande ben, tout simplement qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc je me promène et là, à ce moment-là, je m'aperçois de ce type de véhicule qui est bien particulier. Alors, moi, ça m'a bien fait rire. J'ai décidé donc sur l'instant d'essayer de monter dans la benne arrière. Donc, comme vous l'avez vu, le premier ST, je me suis fail. Deuxième, aussi. Clairement. Donc je continue la manœuvre, je me remets bien, j'essaie de me garder droit. Voilà, donc là je monte dedans. Et à partir de ce moment-là, je me rends compte d'un petit détail. C'est que, en fait, le PNJ, au lieu de tout simplement s'énerver un petit peu et essayer de me faire tomber, voilà, à cet instant-là précisément, je me rends compte qu'une fois que j'ai replacé mon BMX à l'intérieur de la petite voiture avec la benne à l'arrière, et ben tout l'arrière s'est mis à faire du drift. Donc pourquoi, je sais pas, pourtant je suis simplement avec un tout petit BMX. On voit que le PNJ, il a vraiment du mal à contrôler le véhicule. Non, mais moi ça m'a interpellé un peu. Je me suis dit mais what? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là je décide de continuer à rester à l'intérieur. De voir si oui ou non il a fait de. Il continue à faire du drift ou si c'est le fait que je sois à l'intérieur que. Bah que ça le déporte en fait. Et en fait je me suis aperçu que c'est ça. Tout simplement quand vous montez à l'arrière, ben. Si vous tapez votre roue sur la droite, ça va lui bloquer la roue à droite. Si vous tapez sur la roue à gauche, ça va le taper, ça va lui bloquer sa roue sur la gauche. Voilà, comme vous voyez, c'est carrément bloqué entre le poteau et le mur. Limite impossible à faire. Donc il décide d'abandonner le véhicule. Donc bon, de par moi-même, moi aussi j'abandonne. Hein. Donc là, on reprend la vidéo un peu plus loin. Je décide de retenter ma chance avec un autre véhicule. Donc là, je monte dessus assez facilement. Ouais, il était arrêté au feu rouge, donc pas de problème. Donc je patiente un petit peu. Je me dis, bon, bah voilà, on va démarrer. Je vais pouvoir vérifier tout de suite s'il va encore nous faire du drift ou s'il va. Ou c'était juste un bug dans GTA. Et là, on voit qu'on se fait taper par une voiture à l'arrière. Tout de suite, la police intervient, tire. En fait, ça fait un peu le bordel dans mon PNJ. Je me suis dit, ça y est, il va accélérer comme un fou, on va s'éclater. Et là, non, même pas. Fake à mort. Il abandonne le véhicule. Donc, troisième essai. Je décide de faire le même encore une fois pour voir comment il va réagir. Et là, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que c'était pas mal. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker!
double cheek.